Ça sert à quoi? Ça décolore beaucoup les cheveux. Si vous mettez sur les cheveux, ça va devenir jaune. Si vous en mettez beaucoup, ça va devenir blanc. Mais c'est pas, ça sert pas tellement à ça. Ça sert plutôt quand, pour les femmes aussi. Quand elles ont du vernis sur les ongles, elles chissent de l'eau oxygénée, elles frottent et ça enlève la couleur. Merde. Mais le garçon là, il a pas mis de l'eau oxygénée sur ses cheveux peut-être? En marron là, toi. Non? T'as mis quoi? Non, ça devient jaune. Donc là, il va mesurer, il va à 100 ml. Alors ça, c'est du permanganate de potassium. On vous a déjà expliqué ce que c'est à quoi ça sert. Avec les deux mecs derrière, là, Kylian et Thomas. Donc voilà, c'est un peu comme du sable noir. Donc vous avez deviné à quoi ça va servir, il y a marqué juste là. C'est ça, là-dedans. L'eau oxygénée. Et toi, t'en mets pas à côté. Ouais. Pas, non, ça, bah oui, je veux. Donc je vais mettre ça là-dedans, donc ça va aller très vite. Hein. Non, mais... La con se moque, hein. C'est bon, les enfants, vous voyez bien, vous voyez tous? Oui. Oui. Bon, bonjour les enfants, moi c'est Clémence, voici Araya et puis Hélène. Alors on va vous présenter des expériences. Une expérience. Notre expérience s'appelle le coup du gris. Donc ça, c'est un tube à essai. Dans ce tube à essai, on va mettre deux gouttes de colorant. Le colorant, c'est ce qu'on trouve dans les rayons de Carrefour, ça sert à donner de la couleur à vos glaces. Après avoir mis le colorant, on remplit le tube à essai. Donc voilà, c'est rempli. C'est quelle couleur? Jaune. On met la main pour pouvoir retourner et mettre dans le cristallisoire. Vous mettez pas le colorant ? Si. Avant tout, on ajoute du colorant vert ici. On remue. Et c'est de quelle couleur? Vert. C'est bien. Donc ensuite, on met le tube ici. Ensuite, ça c'est du butane. C'est le gaz qu'il y a dans votre four. C'est pour cuire votre main. Donc on va mettre du butane jusqu'au trait là, du Scooby-Doo. Ensuite, on met du dioxygène. Le dioxygène, c'est ce qu'on trouve dans l'hôpital. Ça sert à aider les gens à mieux respirer. Attends. Baisse un peu, un tout petit peu. Non, bon. Donc, voilà. Ensuite, à l'aide de deux seringues. Les seringues, c'est pour faire les piqûres. On va tirer le gaz qu'il y a dans le tube ici. Donc ensuite, on tire le gaz. C'est bon, attends, t'es où? Voilà. Donc, quand on a fini, le gaz qu'il y a dans les seringues, on va mettre là, dans le cristallisoir. Dans ce cristallisoir, il y a de l'eau savonneuse. Attends. Ça
Maintenant, je mets la lumière dans le cristal d'or. Ah, il était magnifique. Très bien, très bien. Voilà. Ah, j'ai des questions. Dans cette bouteille, on a mis du glucose et de la soude. Et du bleu-méthylène et de l'eau aussi, on a mis 200 ml d'eau. Donc en fait, le principe, c'est qu'on met du glucose dedans, de la soude, et on finit avec du bleu-méthylène, je viens de redire la même chose. Donc en fait, ça va devenir bleu, comme ça. Et quand on va attendre, ça va redevenir transparent. Et en fait, non. Le système, c'est qu'en fait, t'as le glucose, qui va en quelque sorte annuler la couleur bleue du bleu de méthylène dans l'air de mer. La soude va accélérer le processus et l'eau, ben, donc dès qu'on va resecouer, dès que ça sera transparent, là c'est transparent ou bleu, là, faut pas dire. Ça y est, c'est transparent. Transparent. Ouais. Et ben alors là, donc comme je l'ai dit, le glucose a annulé l'effet couleur bleue du bleu de méthylène. Là, je vais resecouer. L'oxygène va se mélanger et va réactiver la couleur bleue.